tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau SP sur Metro 2033. Donc, Metro 2033 c'est un FPS Survival Horror. C'est parti. Le tunnel se refroidissait. Melnick et moi n'étions plus très loin de la surface. Bientôt, sous les hurlements du vent, nous allions devoir faire face, quel que soit ce qui nous attendait là-bas. La fin de mon long voyage approchait, mais aurais-je le courage, la volonté d'y parvenir? Donc je vous le dis tout de suite, quand il y a des textes comme ça, je laisse, même si je peux passer, les cinématiques, je laisse tout. Hé, hey, Artyom, quand t'as quitté ta station d'origine, pouvais-tu imaginer qu'on finirait dans un endroit pareil, ne sachant pas si nous allions sauver notre monde, ou l'envoyer tout droit en enfer? Faut franchir l'avant-poste militaire pour rejoindre la surface, Artyom. J'ai supporté pour le jeu. Quelque chose bouge dans la pile. Y a jamais rien qui marche par ici. Utilise ce système manuel pour ouvrir la porte. Pas besoin de me le dire. Artyom, ces caisses contiennent peut-être des munitions et des mini-packs. Ça c'est cool. Ah, j'ai jamais fait. Tue-moi. Je pense que je prends la tire. Elle a l'air cool cette arme. Voilà. Ok. Ok. C'est parti. Donc je joue sur PC au clavier. On dirait qu'il n'y a personne. Avant d'atteindre la surface, mets ton masque à gaz. Sinon, tu tiendras pas très longtemps. Oh. On y est prêt. Presque. C'est le théâtre Korolev. Il est très proche de la tour de télévision. Charge ton arme! Ils approchent. Voici Artyom, notre but. À vous, Bullman. À vous, terminé. Je reçois 5 sur 5, terminé. Nous sommes à la tour de télévision, je répète. Nous sommes à la tour de télévision. Le groupe a-t-il évacué? Terminé. Affirmatif, contact établi. Il devrait être près de la tour de télévision à présent. Terminé. Reçu. Nous vous recontacterons du haut de la tour de télévision. Vous pourrez calculer notre position. Terminé. Allons-y. Les autres doivent déjà y être. Tous en cercle.
Surveillez vos arrières, les gars. Ok, ça sera plus dur qu'à la bibliothèque. La vie était dure dans les tunnels, mais c'était chez nous. La routine y était réconfortante, toujours les mêmes visages, jour après jour. Mais depuis que les attaques des mutants s'étaient intensifiées, la peur régnait sur la station. Je venais d'avoir 20 ans, et jamais je n'aurais pu imaginer ce qui allait se passer le matin où l'ami de mon père adoptif, Hunter, est arrivé à la barricade. Hunter, il me semble que ça veut dire chasseur. Je suis pas sûr, si je crois. Ouais. Artyom, enfin réveillé, je vois. Hunter va arriver. Il doit avoir des nouvelles des autres stations. Bien. Il y a un truc que j'adore dans ce jeu, regardez. Hop là. C'est marrant. Donc, Paris. Là. Là, je pense que c'est... comment ça s'appelle ? La Turquie. Je sais pas. Là, c'est en Égypte. Là, je sais pas. Là non plus, là non plus. Non plus. Si ça c'est Big Ben. Manhattan, nous sommes. Manhattan, New York. Ou Chicago, je sais plus. Venise. Enfin bref, on s'en fout. Je suis là. Allons-y, Artyom. Bonjour. La merde, les cochons, la maladie. Les loupies. Je vais pas. Alex, oui Nicolas. Bonjour Artyom. La station ne tiendra pas longtemps si ces attaques ne s'arrêtent pas. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Sergei ! Bonjour Artyom. Vous avez vu mon Sergei ? Une autre patrouille a été attaquée la nuit dernière. L'hôpital est plein ? Maman, c'est encore long ? Je comprends, mais restez calme. Nous devons maintenir l'ordre. Mon frère est à l'hôpital. C'est quoi ? Et Alexei ! Il était à l'avant-poste. Le docteur n'a rien dit. Allons-y, Artyom. Est-ce que quelqu'un l'a vu ? Qu'est-ce qu'il est long ? Le capitaine a dit qu'il allait bien. Pas de visiteur. Piotr ! Piotr. Arrête. C'est quoi ? Oh, c'est vous ! Je comprends, mais restez calme. Nous devons maintenir l'ordre. Ouais, pas qu'il y a... Allez, Alex. Bonjour Artyom. Personne ne le dira. Comment vont les blessés ? Pas d'amélioration. Deux sont morts ce matin. Cool. Les sombres ne tuent pas sur le coup. Combien de temps ça va durer ? J'en peux plus. Ah.
ça fait un peu mal, non? Peut-être un peu. Je peux pas. Je peux pas y arriver. L'opération y fait ou... Non. Ne m'approchez pas. Très vite. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? C'est Hunter. Les mutants ne frappent jamais. Ouvrez cette porte. Bienvenue à VDNK, Hunter. Merci. Fermez cette porte. Ça faisait un bail, Hunter. Content de te voir, Alex. Bonjour, Artyom. Alors, Hunter, qu'est-ce qui se passe dans le monde extérieur? Pas grand-chose. J'entends surtout parler de VDNKH et des morts vivants dans vos tunnels. Artyom, j'ai vendeur de vieilles cartes postales de New York. J'ai pensé à ton mur. Statue de liberté. Ces créatures mutantes sont différentes. C'est autre chose. Qu'est-ce c'est pire c'est encore. Les sombres. Bref. Quel qu'il soit, mon ordre a pour devise. Si l'adversaire est hostile, tue-le. Alerte intrus dans le conduit d'aération principal. Ils arrivent par en haut. Merde. On n'avait pas besoin de ça. Avec un couteau. Il y a des blessés juste derrière le mur. Kirill, emmène ton groupe dans les tunnels. Hunter et Alex, moi... on doit rester ici et défendre le hall. Très bien. Artyom, attrape vite une arme. Lui prend la calache et moi je crois qu'il m'a pris tout pourri. C'est chiant. Alors, nanana. Bon sang, ils s'aventurent jamais si loin dans la station. C'est l'hôpital. Ils sentent le sang. Bien sûr! C'est un bon tireur, le petit! Merci, papa. Pas de sombre ici. Juste les déchets habituels. Même si tu les vois pas, les sombres sont là. Leur arme, c'est la peur. Elle fait fuir les Nosalis comme des rats dans les tunnels. Les sombres sont pas de simples mutants. Mais des Homo Novus, la prochaine étape de l'évolution. Tu connais la survie du plus fort? Bah devine,
On a perdu. Qu'est-ce qui te prend, Alex? Tu peux te laisser emmener à l'abattoir comme un agneau. Tant que je suis en vie, je me battrai. Et j'emmènerai plusieurs de tes Homo Novus avec moi en enfer. Tu te prends vraiment pour un cow-boy? Ouvre les yeux, Hunter! 10 soldats, entraînés au combat! Leur corps brisé, leur esprit perdu! Les sombres! Ils ont détruit le poste de garde extérieur! C'est ce qui se passe là-bas, au-delà de votre périmètre. Je vais partir en reconnaissance. Écoute bien, Artyom. Si je ne suis pas revenu dans la matinée, rends-toi à la station police et trouve un certain Melnik. Raconte-lui ce qui m'est arrivé et ce qui se trame dans les tunnels nord. Montre ça à Melnik, et il saura que tu viens de ma part. J'ai confiance en toi, Artyom. Je compte sur toi. Si nous voulons survivre, cette menace doit être éliminée. À tout prix éliminée. Tu comprends? Hunter n'est pas revenu. Pas évident de trouver une excuse pour quitter la station et me rendre jusqu'à police. Mais j'avais donné ma parole. La caravane partait pour Riga le lendemain, et il cherchait des gardes. Alors je me suis inscrit. Je pense que c'est le bon moment pour se retrouver à l'épisode prochain. Ciao.